Et c'est le mettre, on est parti pour la suite d'aventure sur Final Fantasy XVI. On est parti pour aller voir ce qui se passe dans ce foutu village de l'Estange. Maintenant qu'on a récupéré notre pouvoir d'Ifrit. Algor, qu'y a-t-il ? Rien de bon, à mon avis. Allons-y. C'est quoi ces mecs de titans là qui arrivaient ? En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de fumée. Ah, quoi que si, j'ai rien dit.
missiles et sont abrités. Par ordre de Sa Majesté Annabella. Oh la pétasse. Salopette. Ah non, même Merloc. C'est Annabella qui a commandité tout ça. Les villageois abritaient des pourvoyeurs. Le gouvernement d'occupation l'a appris et les a tous exécutés. Si seulement on était intervenu plus tôt, on aurait peut-être pu éviter ce massacre. Merde ! Ma mère a toujours méprisé les pourvoyeurs. Je crois que dans son esprit, leur existence même est une aberration. Que des esclaves puissent utiliser la magie sans cristal lui est intolérable. Là, les tuer. Tous ces innocents, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Les coupables paieront pour ça un jour, je peux te le jurer. Nous vengerons ces innocents, Dieu. Gab, qu'est-ce qu'on peut faire? Je croyais que vous aviez choisi votre propre voie. C'est vrai. Mais ça attendra. Si vous voulez rejoindre le groupe, vous feriez bien de retourner voir Sid pour lui en parler. Il vous avait proposé de rester. Tu as raison. Mais je traînerais pas trop si j'étais vous. Sid avait quelque chose derrière la tête. Mais, et les victimes? Hé hey. Dites, vous allez pouvoir gérer ce qui reste? Bien sûr, on va s'occuper des sépultures. Merci. Et désolé.
On y va quand vous voulez. Requiescat in pace. Je vous ai enfin trouvé la bande de Sid. Avec ça, si j'arrive à découvrir leur repère, je suis sûr que Kupka me donnera une promotion. Putain de larve. Décidément, c'est toujours animé ici. Ah, on a toute la mort pour être au calme. Avoir un peu d'animation, ça me rappelle que je suis en vie. Alors, est-ce que tu as trouvé les réponses que tu cherchais ? Je ne comprends toujours pas le sens de tout ça. Mon don, mon rôle, et pourquoi c'est moi qui l'ai reçu ? Mais il y a une chose dont je suis certain. Je suis l'émissaire d'Ifrit. Je dois vivre en acceptant ce fardeau. Et continuer de chercher des réponses, même si ça doit prendre toute ma vie. Bien dit. S'accepter, c'est le premier pas vers le salut. C'est une étape par laquelle il faut passer. Quel que soit notre passé, il faut l'intégrer pour se pardonner à soi-même. Sid, je repense à une chose. Tu disais vouloir créer un endroit où les gens pourraient mourir comme des êtres humains normaux. C'est vrai. Quand on y réfléchit, tu veux dire un endroit où les gens pourraient vivre comme ils le veulent. Pendant ces 13 ans, la vengeance m'a fait vivre. Je ne pensais qu'à ça constamment. J'en avais complètement oublié le monde qui m'entourait. À présent, j'ai compris une chose vraiment importante. C'est que, dans le monde où on vit, il est difficile de vivre librement. Ou même d'arriver à mener une existence paisible. Maintenant que je suis conscient de ça, je vais nous forger un nouveau destin. Donc, ce sera ta rédemption ? C'est notre conclusion, oui. Ce sera notre objectif. Par contre, pas question de vous loger gratuitement. Nous le savons. Parfait. Avec Ifrit et Shiva à mes côtés, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça va être encore cette fois ? Alors voilà. On va s'infiltrer dans la capitale de l'Empire Sambrequois et fracasser leur cristal. Le retour de la guerre des cristaux. Taille du cristal d'air. Le danger pourrait bientôt être à nos portes. Ce ne sont pas ces discussions stériles qui vont nous sauver. Votre Majesté,
Nous avons pourtant des terres intactes à portée de main. Nous n'avons qu'à nous servir. Majesté, seriez-vous en train de parler du Dominion du Cristal ? Nous sommes liés par un pacte de non-agression. Aucun des signataires ne peut toucher au Dominion, vous le savez. Les traités n'ont de poids qu'en temps de paix, pas de crise. Mais ce serait un acte de trahison. Nous ne pouvons pas commettre une telle infamie. Que ce soit une liaison de confiance. Les rues de la capitale grouillent d'ores et déjà de réfugiés qui ont perdu leur terre à cause du fléau. Dès lors que le fléau nous a privés de nos terres arables, l'approvisionnement devient un sérieux problème. Et avec cette guerre insensée dans laquelle vous nous avez engagés, non seulement nous n'avons pas réussi à leur reprendre nos terres, mais nous avons perdu beaucoup de nos hommes face aux Valdois. Un carteron d'incapables qui se désaltère tranquillement autour d'une table alors que notre peuple souffre. De piètre modèle de sagesse pour des en faute. Un pays n'est rien sans son peuple. Et un peuple rien sans son pays. Si le fléau noir grignote notre territoire, alors il nous incombe de trouver une solution à cela. Mais, Majesté, je vous implore de revenir sur cette idée. C'est au contraire le moment ou jamais. Le Dominion sera bientôt notre territoire. Telle est la volonté de notre déesse. Vous parlez de volonté divine. Mais comment allons-nous organiser cette offensive ? Et comment financer cette conquête ? Il faudra affréter nos troupes. L'armée sera-t-elle prête ? Nous devons anticiper la réaction des autres nations. Le temps nous fait défaut. Préparez tout au plus vite. C'est lui, Odin. Le prince se trouve stationné au fort d'Orta. À votre demande, nous pouvons le faire revenir auprès de vous immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Dites-lui simplement de soigner ses blessures avant tout. Nous aurons bientôt besoin de la puissance de Bahamut. À vos ordres. Ah non, c'était pas lui. Parce que c'est un méchant. Enfin, c'est un méchant. C'est pas le bon, quoi. Tu es en train de dire que les cristomères sont à l'origine du fléau noir et des terres mortes. Tu divagues. Oh, t'es pas le premier à me dire ça. Mais non, pas cette fois. Là où passe le fléau, la terre meurt. Les terres s'évanouissent, et les sols sont tellement taris qu'il n'y pousse plus le moindre brin d'herbe. Impossible alors de faire naître la magie. Comment expliquer ça ? Ça fait des années que j'étudie la question, et crois-moi, je suis maintenant certain de la réponse. Tout ça, c'est parce que les cristomères épuisent les terres du sol autour d'eux. Bon alors, voilà. Pour t'expliquer, ces cristaux fonctionnent sur le même principe. Ils absorbent brièvement les terres ambiantes pour le changer en magie. Vous savez d'où viennent ces cristaux ? Bah, bien sûr. Ils sont prélevés sur les cristaux mères. Les cristaux ordinaires sont donc constitués de la même matière que les cristaux mères. Mais les cristaux mères sont immenses. C'est juste des cristaux géants, alors ? Pas tout à fait. Les cristaux mères, eux, aspirent de l'éther en permanence et en grande quantité. La seule chose que j'ignore, en fait, c'est où cet éther se retrouve ensuite. On nous enseigne que les cristomères sont sacrés. Que leur éther est un cadeau divin. L'humanité entière voit l'éther octroyé par le cristal comme un don, comme un bienfait. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, tous se battent pour s'en emparer. La vérité des
dérange. Alors on veut nous faire croire tout ça. Tu fais allusion à qui, au juste ? Aux dirigeants ? Aux dieux eux-mêmes ? Les Christomères seraient la source de tous les maux. Et ensuite, ton but n'était pas de sauver les émissaires et les pourvoyeurs. C'est toujours le cas. Je compte pas renoncer à cette partie du projet. Mais si on laisse faire les choses, les Christomères vont changer le monde en terre morte. L'humanité est en danger, et on n'a plus le temps de convaincre. Il faut foncer et agir avant qu'on soit tous morts. Ensuite, on pourra créer ce fameux endroit où les gens peuvent vivre en paix, comme ils l'entendent. C'était ton idée, il me semble. Et pour ça, je suis prêt à briser moi-même tous les Christomères, un par un s'il le faut. Alors, vous me suivez ? D'accord, je veux bien te faire confiance encore une fois. Le symbole de ce serment. On sera content de vous avoir avec nous tous les deux. Allez. Tu regrettes, toi. Plaisir. Voilà, j'ai terminé le travail. Capitale ? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Le compte y est. En parlant d'Oriflamme, il paraît que les routes de commerce partant de là vers le sud ont vu que vous voulez, mon avis, il y a quelque chose qui se mijote. Et ça, allez voir Otto, si... D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il propose, là ? L'héroïne Phoenix, en plus ? Sid se décide enfin à mettre à exécution son plan. C'est pas trop... Nous allons d'abord nous infiltrer sur place. Nous partons bientôt pour... Sambrek se relève à peine de sa cuisante défaite contre les Valedois lors de la campagne de Belém. Malgré ça, ils repartent déjà. Une autre guerre. Ils prétendent que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. C'est le bazar, les gens sont affairés à tout préparer, avec la pagaille qui règne. Je suis prêt à parier que si vous entrez par le quartier des plaisirs, la difficulté c'est plutôt de passer l'octroi. Voilà. Et comme tu peux t'en douter, les contrôles sont renforcés. Alors c'est pas simple. Mais figure-toi que j'ai la... Ça ? Ça, tu vois, c'est magique. À Francastel se trouve une de nos partisanes. Je vais lui envoyer un stolas pour lui demander... Quand tu la verras, ce sachet l'aidera à te reconnaître. Elle saura trouver un moyen de te faire. Merci beaucoup.
Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme ? Eh bien, pour tout te dire, c'est une mère maquerelle qu'on appelle Madame Apolline, une sacrée beauté. Oh oui, c'est une professionnelle. Apolline, ça a l'air de te faire nichou. Allez, je te retiens pas plus, monsieur l'homme. C'est Gauthier. Notre boulot ici est de répertorier les divers. Tu connais bien ça, non? T'as sans doute souvent l'occasion de venir en aide. En tout cas, si résoudre les problèmes, aider son prochain procure tout. Voilà. D'accord, tu peux te TP avec ton mission. Reviens quand tu veux. Ok, donc tu peux venir ici, il va centraliser toutes les quêtes annexes. Sauf celle de la base annexe. Cool. Eh ben les gars, on va faire une petite coupure là. Moi, je vais profiter pour faire les quêtes annexes et avancer un peu mes compétences. Je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, ça fait rire. Ciao les gars. Surtout partager, liker et oublier.